Mesdames et messieurs, bonjour à tous! Bonjour et bienvenue dans ce live compétition Rocket League, enfin tournant Rocket League où moi et Matt, on va se faire un plaisir de caster cette demi-finale et finale. Matt, bonjour à toi, comment ça va? Mais ça va bien, toi? Mec, ça va tellement bien, mec, Mais ça va non. super bien, mec. Dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu, Matt? Qu'est-ce que tu fais là en fait? Alors moi c'est Matt, je fais partie de l'association Poly Japan qui organise Japan Impact chaque année. Et on se retrouve ici cette soirée pour les phases finales du tournoi Oh, Rocket League. tellement bien, j'ai tellement hâte, c'est trop bien. Moi, du coup, c'est Newton de Dash Studio, vous m'avez vu bien sûr à la matinale. Et mon compère, mon magnifique compère de Dash Studio, durant Question pour Ariane, que vous avez vu juste avant. En espérant que vous avez répondu à toutes les questions, hein, parce que sinon vous êtes vraiment pas fou. Pourquoi on se retrouve ici? Qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée, Matt? Dis-moi tout, je veux tout savoir. Alors ici, on va se retrouver pour deux demi-finales de Rocket League en BO3. Les deux seront castés et ensuite on se retrouvera pour la finale pour délibérer du vainqueur du tournoi Rocket League de Japan Impact. Oh, let's go, ça me fait plaisir. Mais ça va être très bien. Donc ouais, on aura les deux Ouais. demi avec la finale. Ah, les joueurs sont déjà là, c'est trop bien. Oui. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite le classement directement. Donc le classement que vous voyez maintenant à l'écran. En tout premier, en demi-finale, on aura Sikiyo, pardon, RL contre Shadow Player. Et ensuite, nous aurons Kanpai Senpai contre RL.exe. Des noms qui sont vraiment, je trouve ça giga stylé, en tout cas comme nom, surtout RL.exe. Je crois que. Qui sont les plus hauts rank entre dans tous? Est-ce que tu sais par hasard, toi, Matt? Je dirais que c'est CQRL qui sont tous au-dessus du GC1. Ok, Et ah ouais, ok. sinon, à partir de... Enfin, toutes les équipes tournent autour de GC1 et Champion 3. D'accord, ok. Bon, en vrai, c'est assez, ça, c'est. En vrai, ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas de diamant. Oui. Il n'y a pas de Supersonic Legend. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le système de rank Rocket League, les deux sont presque pareils. Voilà. Comme pour tout autre jeu, c'est genre Gold de Platine, c'est vraiment presque la même chose les deux. Là, il y a plein de petites choses qui diffèrent, des jeux d'équipe et tout ça, mais sinon, c'est pas des grosses différences, vous voyez. Très bien. Ben, en fait, on peut déjà commencer, je pense, direct avec la première équipe. On va casser tout ça ensemble. Et puis, on peut leur demander de rejoindre la game, si ça te va, nickel. Je vais leur envoyer un Mec, message pour leur dire envoie-leur un qu'ils peuvent me demander. magnifique message. Je vais aller déjà dans observer, si ça lance pas la game. Et donc, dis-moi dès que c'est tout bon. Oui, alors la finale sera en BO5, vu qu'on nous pose la question dans le chat. Et les C'est demi-finales exact. seront en BO3. Parfait, nous nous retrouvons donc sur Rocket League, mesdames et messieurs, Sikio RL contre Shadow Player, tout de suite sur vos magnifiques écrans. Très bien, partons là-dessus, donc nous avons tout de suite un magnifique kick-off qui part directement chez les Oranges, la team du coup Shadow, à ce que je sache. Le joueur Sikolor qui essaie de faire un magnifique centre qui est dégagé par les joueurs Orange. Ça a l'air d'être deux très bonnes teams en tout cas, déjà juste à voir. Leur niveau est à peu près similaire de ce que je vois. Sky Lore, pardon, hein, et... je l'ai appelé Lore. Parce que sinon, si je dis Sky tout le temps, ça va être un peu chaud. Neve qui va essayer de faire un centre à son équipe. Au centre, il n'y a malheureusement personne! Et Sky qui va tout seul. Mais je dis Sky à chaque fois alors que c'est Lore. Wouah! Electro. Qui se fait enlever la balle, Neve qui va essayer de la reprendre, qui sera malheureusement enlevé par le joueur Bounty, qui essaie de dribbler, mais Electro a essayé de faire tout ce qu'il peut pour l'arrêter. Peut-être le premier but. Oh, c'est tellement chaud! Ok. On a fait un bon petit niveau, Allez. c'est plutôt sympa. Un bon jeu d'équipe. L'équipe bleue continue l'acharnement là. C'est Il assez n'arrête sympa. pas. Oh! L'équipe Première! aura... Premier but! Oh. Premier but de cet event, mesdames et messieurs. Un but du joueur Nico Hyper 09, qu'on va appeler Nico. Magnifique solo, hein, avec je crois aucune passe. Juste au niveau de la Il est défense où il y parti tout avait un seul petit. depuis sa défense. Exactement, quelque chose d'assez subtil. Alors, 1-0 pour l'équipe de Sikiyo. La balle qui va directement dans le camp des Oranges, qui a essayé d'être pris par Laure, qui n'a pas réussi, qui sera arrêté par Monsieur Mano. Nico qui va essayer de la reprendre, Mano qui a encore la dégage, Mano qui fait beaucoup de taf là maintenant, là, qui est beaucoup sur les balles. Bonnie. Electro qui va peut-être essayer, qui a été loupé malheureusement. Entre ces deux équipes, quel est le meilleur des... Est-ce que t'as une idée ou pas du tout? Alors, Je sais pas du tout au niveau honnêtement, rank qui sont les meilleurs.
Bonnie. Attends, c'est quoi leur nom d'équipe? Alors, c'est Shadow Player versus Siki. Okay. Siki qui fait partie d'une structure. Ah, on peut s'attendre d'eux qui sont quand même plus entraînés à participer à des tournois, okay, au travail d'équipe. Ça se voit en tout cas. Hein. Ça se voit beaucoup. Nico qui va la dégager pour essayer de faire une passe à son collègue. Laure qui va essayer de la prendre. Kate, waouh, on l'a même pas vu. Bonnie qui l'a reprise. Man, je pense que ça va être une communication de dingue. Être une bonne communication pour se dire que Laure ne va pas prendre la balle. Très 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 beau but en tout cas. Belle exécution. Ouais, totalement. Très belle exécution. Passons donc au troisième partie. Laure qui va la reprendre en faisant un manifeste. Alors là par contre, il est génial ce que je viens de dire. Un magnifique fast flip. Un centre qui sera donné par Bowie, qui sera arrêté par Mano. Mano, oui. Ouais, les pseudos sont... J'ai déjà dit que j'allais les écorcher. Mano qui va essayer de faire un centre à la... Nico qui va la reprendre. Mais attends, mais il a dit, ça c'est du ping-pong là, je peux pas commenter du ping-pong. Oh, le redirect, hein, Le redirect effectué par Nico par la passe de son... Il n'arrive pas à l'arrêter. Mais ouais, ça c'est fou ça. Ça c'est fou. Ça c'est un très très bon. Mano sur le mur qui... Il ne peut rien faire. Qui est juste... Il est juste sous l'eau. C'est parti, donc 3-0 pour l'équipe de Sikio RL. Il y a un joueur qui vient de... En départ. Ouais, mais il n'y a personne en défense. Oh, l'arrêt du joueur Neve, l'arrêt magistral du joueur Neve, alors que ses équipiers avaient loupé la balle. Bonnie qui va essayer de faire un sling shot qui a été rattrapé par Electro. Ah ouais, ça c'est beau ça. Oui. C'est beau. Nico qui va tenter de faire un centre, qui sera arrêté, même pas, au plafond. Oh mon dieu, ce qui se passe, c'est incroyable. Incroyable, juste cette explosion, je sais pas qui a explosé qui. Ah, on a la réponse. En tout cas, très très beau play de Sikio qui s'envole vers la victoire pour l'instant. Ils prennent de la marge un peu. Ouais, ils prennent bien de la marge là. Ouais. Neve qui va tout seul en attaque. Neve qui arrive à déranger Nico. Repris malheureusement par les bleus. Bonnie, Electro qui tente de faire un centre à personne encore. Ouais. Beaucoup de bump. Le bump. Hein. Ouais. Neve qui va. À ça, hein. Ouais, bien sûr, on est en compète, hein. Il faut bien s'attendre à ça. Oui. Mano qui va essayer de la mettre en avant, Nico qui va la dégager, mais Mano est juste à côté pour essayer de faire un sens à son allié. Est-ce qu'il y aura peut-être... Oui, bien sûr, les bleus sont là pour arrêter la balle. Bien sûr, mais ils sont toujours là pour arrêter. Mano qui va tenter, personne n'est au cage. Mais non, dommage. Le fake, peut-être l'autogol. Non, ok, j'ai eu peur quand même. Nico qui va tenter de faire un centre à son équipe. Laure qui est juste en dessous pour la reprendre, qui fait une latte, qui l'a encore Bonnie. Ah putain, Bonnie. Mais attends, mais c'est un magnifique teamplay qu'on voit là. C'est un très très beau teamplay, je sais pas ce que t'en penses. Disons que on peut remarquer que cette équipe a beaucoup travaillé en équipe. Ouais, là totalement. Ouais. Ça se ressent au niveau du score et dans leur manière de jouer. Toujours en attaque. Et les oranges sont vrai. Un peu sous siège. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, pas beaucoup de défense, mais en même temps, ils ont pas besoin de se soucier de la défense pour l'instant. 48 secondes restantes, Bonnie qui va tenter de la mettre sur la droite du côté orange. Malheureusement Nico qui... Enfin, heureusement pour Nico qui va défoncer Mano. Electro qui la met sur le mur, qui est repris par Laure, qui va tenter de faire une aérienne. Une passe peut-être à son ami qui a été arrêté par Mano. Neve qui la dégage tranquillement, simplement. Neve qui la loupe. Assez compliqué comme match. Là on est vraiment sur un match assez complexe pour le côté orange. Neve qui la reprend, qui sera arrêté par Nico, mais qui sera réarrêté par Neve, je n'en peux plus. Neve qui s'envole tout seul. Et non, malheureusement non. Là il ne s'envolait pas tout seul, je l'avoue. Quelques secondes restantes, Laure qui a peut-être essayé d'apprendre. Ils vont jouer la balle? Non, je pense pas qu'ils vont la jouer là. Bien joué à eux. Très beau match d'entrée en tout cas.
Moi en tout cas. L'équipe bleue a su montrer sa supériorité pendant cette première partie. Je suis d'accord, première partie très, très impressionnante. On met prêt, bien sûr. On met prêt. Je sais pas si je peux. Ah oui, tu peux. Bon. Tu peux. En tout cas, très très beau match, très très beau début de match. Assez impressionné. Très agréable à regarder. Ah, écoute. On s'inspire des meilleurs. Est-ce qu'on peut. Tu vas être obligé à rejoindre. Oui, bien sûr, bien sûr. On va directement rejoindre. On vous passe tout de suite la caméra, bien sûr. Nous avons donc un petit point pour. Ah, attendez, il y a un petit bug sur stream, c'est bon. Pour. Sikiyo. RL. Exactement, pour RL. Où sommes-nous? Comment vont-je? Nev qui la loupe, qui sera peut-être repris par Electro, qui l'a fait une passe à Mano, mais malheureusement Bruni est là. Je viens de dire Bruni, je crois que c'est pas du tout ça son pseudo, c'est Bruni. Il y a trop pseudo. Nev qui la dégage, magnifique tir de la part de Nico. Très très beau dribble, hein. Là on est vraiment sur des choses de qualité. Oh, les deux joueurs qui se contre-choquent. Sikiyo. La balle dangereuse devant le but. Ah ouais, là c'était bien dangereux. Là. Ouais. Nico. Dev pour le dégagement. Electro. Exactement, Mano qui va la dégager, qui sera repris par Nico. Arrêté par Mano, mais il y a Lorki ici pour essayer de la prendre. Il y a deux en défense, les deux se loupent. Les deux se loupent. Les deux se loupent. Je sais pas si vous avez compris, mais les deux se loupent. Là, alors, ouais, là c'est très bien anglais de la part de Lor, bien joué. Je sais même pas que c'est les deux en manque de ça. Ouais, c'était très très bon en tout cas. 1-0 pour la team de Sikiyo. Balle du côté des oranges maintenant. Electro qui va essayer de la prendre, qui n'a pas réussi, qui sera repris par Mano. Mano qui va continuer à essayer de faire une passe à son allié. Pas du tout, qui va la mettre en avant et Lor la reprendra. C'est un cadeau et du coup sera repris. C'était pas loin. C'était pas loin et bah très bien. Personne ne défend. Parfait angle. Là l'erreur je pense c'était en... Ouais. Il a voulu aller solo quoi. Il a tiré. Mano qui avance alors que Nev n'avait pas l'avantage sur la balle. Exactement, voilà. Très bizarre comme move en tout cas. Que nous respectons en tout cas ici à Japan Impact. Nev qui va la tirer. Repris par Baono. C'est pas Nev, pardon. Electro qui va tenter de faire son premier shoot. Mon dieu, c'était peut-être le premier but. Variation de latence. J'ai une latence. Mano qui va dessus, qui va essayer de faire une passe à son allié. Electro qui sonnera malheureusement pas, mais qui a réussi à dribbler quand même des joueurs. Là on est vraiment sur une partie à zéro boost. Electro qui va essayer de la prendre. Ouais ouais, là c'est... Là on est quand même à 2-0, c'est totalement rattrapable. Centre effectué, Lor qui va essayer de la prendre qui a été loupée. Bon, qui va le reprendre parce que il est très bien placé. Centre. Lor. Malheureusement. Le joueur qui décolle. Ah ouais. On connaît. Un affrontement en guerre, ça, ce que je viens de voir. Oula! La vision réalisateur! Ouais, qui... ouais, c'est toujours! Ah, c'est bon! Le sol sur les décombres! Nico qui va essayer de la prendre pour faire un but! La latte! Nev qui doit à tout prix la dégager, qui a été fait une passe à Mano, incroyable! Lor qui a été dribblé, mais bien sûr, il y a Bonnie qui est là. Nico qui s'est fait exploser par Mano. Lor qui la reprend pour faire un redirect, qui va essayer d'être pris par le joueur Mano qui l'a bien arrêté. Bonnie qui est ici, qui s'est fait dribbler par Mano, qui s'est fait... c'est compliqué là. Les gens se font dribbler par des gens. Et le bump. Ouais, là c'est un très beau bump là. Ouf. J'ai essayé de l'arrêter avant qu'il puisse arriver sur la balle, c'est loupé. Nev qui la dégage, qui sera repris par Mano. Ils ont une très bonne présence, c'est ça. Ils ont une très grosse présence d'équipe quoi. C'est passer en travers eux, c'est très compliqué. Juste de leur mettre dans leur camp, là on voit très bien que durant le jeu, on a 100%, c'est 100% chez les oranges là-bas. Ils gardent très bien la pression en attaque. Exactement. Ils ne laissent jamais la balle revenir plus loin que le terrain. C'est exactement ça, c'est très impressionnant en tout cas. La balle qui repart, le dégagement. Très beau dégagement. Nev qui la reprend. Nev qui la reprend, qui tente une aérienne pour essayer d'esquiver le joueur Bony, qui sera repris par Nico. Mano qui fait un centre pour l'équipe. Ouh. Alors qu'il la reprend, Nev sera repris par l'équipe bleue en redirect ou là. C'est dangereux ça. Très dangereux.
Laure qui va essayer de faire une passe à son équipe, pas du tout, qui revient. Mano qui a du coup pris cette opportunité pour prendre la balle, qui a fait la passe à Nico. Nico qui va essayer, qui va donner la balle à Brownie. Brownie, pardon. Laure qui fait un centre. Il s'envole, Nico s'envole. Nico marque. Nico marque en s'envolant, les amis. 3 à 0. Très très beau but. Très très haut but en tout cas. C'est... Ils ont... Electro n'a pas su toucher la balle. Exactement, c'est... Pour empêcher ce but. C'est ce stress, je pense. Ce stress de game. 3 à 0 pour l'équipe de Sikio RL. Ouf, failli... Attends, engagement. Mais là, on voit très bien, là, les amis, c'est un pur exemple de pression. C'est une grosse pression qu'on a là, et donc on met une pression aux joueurs qui ne savent pas où se mettre, on leur vole les boosts pour pas qu'ils aient de turbo, on leur maintient la pression en les explosant aussi, en leur volant toutes les balles et tout ça. C'est une pression qui est très intelligente de la part des bleus. Alors qu'il la reprend. Tranquillement mais sûrement, l'or va essayer de faire un centre à son... Nef qui la reprend. L'or qui va tenter de faire un sneak shot, qui en a profité pour dribbler son homologue. Orange, centre de la part. Ouais, mais la défense, c'est plutôt la défense. À cause de cette pression, la défense des Orange est moins bonne et assez stressante. Et. C'est surtout que chaque petite erreur. Ouais. Met d'un but. Pourtant, au niveau jeu d'équipe, sont très bons les Orange. C'est juste que la pression qu'ils mettent, les bleus sont extrêmement fortes. Vont-ils quand même garder le point? C'est les gagnants. Les gagnants Sikiol. Sikio RL. GG à tous. Bien joué. C'est le deuxième match qui est gagné pour cette équipe. Très très beau ce qu'on vient d'assister. Sikio RL qui passe du coup pour les phases finales. Exactement. Qui aura lieu plus tard. Après exact. La deuxième. En tout cas, très très beau match. Je sais pas ce que tu as à dire par rapport à ça. Très très beau match. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu qu'on a pu participer? La pression que les bleus ont pu faire. C'est très agréable à regarder. Ah, tu aimes voir cette pression. Les oranges en sueur, ouais. Qui ne pouvaient rien faire. Donc... Totalement dominé tout au long de la partie. Exactement. Non, mais en tout cas, c'était très très beau. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup de cette team orange, malgré qu'ils ont du coup perdu ces games? C'est quand même une bonne équipe qui était assez impressionnante. Qu'est-ce qu'on a pensé un peu de ça? On est vraiment juste champion, mais essayons quand même de faire une analyse de ce qui s'est passé. C'est quand même assez impressionnant quand même ce jeu qu'on a eu. Qu'est-ce que tu conseillerais, enfin qu'est-ce que tu as remarqué au niveau des oranges qui n'allait pas? Conseillerais, ouais, c'est vrai, mais au niveau de ce qu'on a pu voir en niveau externe. Je pense que la défense partait trop facilement en attaque, trop rapidement, et dès qu'ils se faisaient contrer, ils se reprenaient un but parce qu'il n'y avait plus personne pour défendre le but. Très bien, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Quel est notre prochain match, Matt? Dis-moi tout. Mais je regarde. Et je regarde ça. C'est quoi? Mais je vais te le dire maintenant. En train de regarder. Notre match, prochain match, c'est l'équipe Kanpai versus Senpai qui va se passer dans un instant. J'espère que vous plaisiez en tout cas à Japan Impact. C'est un plaisir en tout cas de faire ce cast aujourd'hui avec Matt, ce BG. Est-ce que du coup, je vais quitter la game et tu vas recréer une game vite fait. Du temps. Est-ce qu'ils avaient des couleurs prédéfinies? Non, là tu peux mettre la couleur que tu veux, mec. Fais-toi plaisir, mets la couleur que tu veux. En tout cas, c'était très belles équipes qu'on a eues. Très très beau. On a eu de belles surprises en tout cas, c'était assez sympa. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cette prochaine team. J'espère qu'elle va nous faire rêver et qu'elle va nous faire de belles aériales. Comme on aime voir. Est-ce que tu arrives à mettre RL en bleu par hasard? RL en bleu? Ouais. RL.exe en bleu. Dire. Ah, je peux. Mec. C'est dans mes capacités. Mec, ce serait juste énorme si tu le fais, en fait. Si tu le fais, ce serait genre juste dinguerie. Mais. Mec, si tu le fais, je sais pas ce que je fais, mais je pense qu'on va aller loin ensemble, quoi, si tu le fais. Parfait. Ok, bon. Moi, je suis bientôt prêt à lancer la game. Je vais
Je sais pas si tu as le chat du stream sous les yeux, toi, ou le stream sous les yeux. Absolument par hasard. Pas. Bah, moi, je vais le mettre. Voilà, moi, je vais le mettre. Tranquille, on va passer tout de suite à la game numéro 2 des demi-finales. Maintenant, j'ai le chat devant les yeux, mes amis. Je pourrais vous lire en toute. Voilà. J'ai posé une question sur le général du Discord. Apparemment, non. Sad life. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Dites-moi tout là. Dites-moi tout. Dis-moi dès que c'est prêt, comme ça, on pourra lancer la game et tu pourras avertir du temps. Je vais lire ce magnifique chat en vrai. Est-ce que tu pourrais essayer de rejoindre la partie? Mais je vais rejoindre la partie. C'est bon. Je vais juste rejoindre la partie. En tout cas, c'est très sympa. Ces games sont très intéressantes. Et même s'ils ont gagné, les parties étaient très intéressantes quand même. Je vais rejoindre ta game. Et je ne peux pas rejoindre ta game. Car il est impossible de trouver le serveur. Est-ce que tu as changé Non, je n'ai rien changé. Mais je vais quand même... je crois que j'ai changé. Les mêmes. Je viens de t'envoyer des nouveaux logs. Ah, très bien. Je me demandais s'il y avait des rediffs sur Twitch. Eh bien, mon ami, il y aura des rediffs sur Twitch. Je te l'annonce actuellement. Il y aura les rediffs sur Twitch qui seront disponibles le plus rapidement possible. Très exact. En tout cas, ils sont. Mais en tout cas, c'est activé de toute façon. Et ce sera en ligne sur un endroit quelconque. Moi, j'enregistre tout en très bonne qualité pour qu'on ait une bonne qualité après. Est-ce que la partie t'est accessible? Absolument pas. Mais c'est chiant, dis-moi. Je n'arrive pas à rejoindre, mon grand. Tu es en train de me mentir, en fait. Je vais recréer la partie. Et je vais mettre... Peut-être les mots de passe. Mais oui, donc il y a bien les rediffs. RL.exe qui s'annonce pour la win, apparemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je ne sais pas, je ne connais pas encore. Laure qui est. Oh, Laure bien sûr qui est dans le chat aussi. Qui est Laure, on a adoré. Très beau match en tout cas à vous, mes amis. Vous avez très bien joué, c'était très impressionnant. Et votre jeu d'équipe était vraiment très satisfaisant. Vous avez mis une bonne pression à l'équipe en face et c'était très intéressant à voir. En tout cas, vous avez très bien joué et bien joué à vous. Et on a hâte de vous voir en finale, les amis. Est-ce que c'est bon de ton côté? Alors. Normalement, ça devrait être bon. Je t'ai modifié le message. Ok. Ah non. Rocket League crash. C'est bon. Moi, j'y suis. Très bien. Ah, Rocket League a crashé de mon côté. Eh ben, tu re-rejoindras la game, tranquille. Mesdames et messieurs, donc vous êtes un peu pour RL.exe ici. Personnellement, je ne sais absolument pas, mais je ne sais pas à peu près les niveaux des équipes. En tout cas... Tout ce qu'on a à dire, c'est que c'est une très bonne compète et que c'est vraiment un plaisir de faire ça. On a eu un très très bon match avec Saiko, à ce que je sache. C'est bien ça le nom. Avec Sikio, pardon. Excusez-moi. Sikio, on a eu un très très bon match, très 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 sympa. Et c'était assez impressionnant. Est-ce que tu as rejoint la game par hasard? Alors, par hasard, Rocket League ne répond plus et le gestionnaire de tâches non plus. La blague. Est-ce que tu veux envoyer un message aux autres et puis tu rejoins dès que c'est bon? Comme ça, on perd pas de temps. On peut faire ça, oui. Vas-y, écoute, demande. Je vais sûrement redémarrer. Hop. Tu pourras commencer la partie. Qui sont les capitaines, du coup, de ces deux équipes? Je sais absolument pas. Alors, Kempai Senpai. Et dis-leur de rejoindre dès qu'ils sont tous là. Hop. Oka, où es-tu, Oka? On va aussi mettre cette petite musique en attendant avec ce petit problème technique de la part de Matt. Laisse-moi. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Si c'est de ta faute, je te déteste. Tranquille. Au pire, si les finales ne se font pas, et bien, on aura le début et puis on peut déborder au cas où sur la pause. Au cas où. Est-ce que pour l'instant j'ai personne qui a rejoint? Je vais envoyer le mot de passe. Génial. Hâte qu'ils viennent. Hâte qu'ils viennent. En tout cas, très très beau match qu'on a assisté juste avant et je suis très content de voir ce magnifique classement. Hâte de voir RL.exe, vu qu'apparemment c'est un favori. Hâte de voir ce qui va se passer. Ok, ils ont à peu près tous rejoint. Ils ont tous rejoint? Non. Alors je vais Attends, non. Il y en a encore qui doivent rejoindre. Ils n'ont pas tous rejoint. Alors je vais de ce fait redémarrer mon ordinateur et je reviens dans 2 minutes. Est-ce que tu peux me dire comment je leur dis qu'ils peuvent rejoindre les games?
Je leur dis que qu'ils peuvent rejoindre les games et ça devrait aller. Normalement ils sont. En fait il y a pas tout le monde, on est 4. Ah. Je vais vite fait aller voir. Marque-les. Rejoignez les games. Marque-les bien ça. Je vous vois la fenêtre en attendant parce que les gars, hey, on est Caster Rocket League mais il fait quand même giga chaud quoi. Donc tranquille. En tout cas j'espère que cet événement vous plaît. Je suis sur le live au cas où. Okawa. Okawa, bonjour à toi. Okawa, bonjour à toi. Ah, regardez, il y a écrit Dash Studio, incroyable. très bien, donc nous sommes ensemble maintenant. On attend juste que toutes les équipes se rejoignent. Hey, Caster RL, trop bien les tournois. Merci, merci, merci beaucoup. J'attends juste que tous les joueurs rejoignent. Je vais juste les avertir qu'il faut rejoindre la game, les amis. Enfin, rejoindre la game. Il faut au moins pas choisir une équipe, mais rejoindre la game parce que on a un temps, mesdames et messieurs. 5, 6, 7. Parfait. Eh bien, on peut commencer la game du coup. Je vais vous mettre ça de suite. Nickel, je vais mettre auto. Oh, non. Attendez. Rejoignez, mesdames et messieurs. C'est tout bon. On est parti donc pour cette magnifique demi-finale. Le classement, enfin, les teams RL.exe contre Kenpai Senpai. C'est un plaisir de pouvoir caster ceci et Matt arrivera dans quelques minutes de retour. Pour l'instant, je serai votre caster, mesdames et messieurs. C'est parti pour ce magnifique match 0-0 que la game commence. Magnifique kick-off qui va aller dans le camp. Est-ce que je suis bien en mode réalisateur? Je suis vérifié, bien sûr. Magnifique kick-off qui va aller dans le camp des bleus, qui sera repris directement par Logic, qui a été contré malheureusement par Oka, à ce que je sache. Je dois me familiariser avec les noms, hein, vous comprendrez bien sûr. Mary qui l'a loupé, Oka qui va essayer de la prendre, qui était repris par le joueur de la team bleue, Loi Pandore. Brainless qui essaie de faire une aérienne qui n'a malheureusement pas réussi, qui sera repris par Logic. Logic qui s'avance tranquillement, Mary qui va réussir à la reprendre. Les deux joueurs des deux équipes l'ont loupé, ça va peut-être aller dans leur goal. Oka qui arrive à la arrêter, sera repris peut-être à Brainless. Brainless qui va se faire poursuivre par un équipier de la couleur bleue. Brainless qui va peut-être essayer. Malheureusement, c'est un centre qui a été enlevé par Loi. Et qui... Oh, magnifique arrêt de la part de Loi de Pandore. Oh, Loi Pandore, mon dieu, ce magnifique arrêt effectué par le joueur de RL.exe, magnifique. Brainless qui va tenter une aérienne directement dans leur camp, qui a été arrêté. Oka qui va le reprendre pour essayer de la mettre. Ça touche la latte, le joueur peut-être Mary qui sera là pour la remettre. Malheureusement non, ça fera juste un centre qui sera dégagé par le joueur Logic. Brainless qui la prend, qui sera laissé par Loi Pandore. Thunders. Mary qui sera repris par Logic, contré par Oka. Brainless qui tente un pinch, qui va la reprendre en aérial et qui sera malheureusement contré. Non, pas contré, pas du tout contré, mais contré par Sunders. Oka qui la reprend, qui a été contré par Logic. Ouais, on a tout. Alors là, on est sur deux équipes qui sont équivaux, je dirais. Deux équipes qui sont assez impressionnantes, tous les deux. C'est vraiment très très bien. On assiste à un très très bon match. Logic. Qui fait un centre, Brainless qui la dégage, Oka qui va essayer de la prendre, qui l'a prise, Thunder qui a été dessus, Brainless qui l'arrête tranquillement. On assiste à une très bonne défense et une très bonne attaque des deux équipes. Mary, Thunder qui la reprend, qui va potentiellement tester un centre, qui a été laissé pour Loi Pandore. Logic qui la reprend, qui le met un centre et Mary qui la dégage dans l'équipe adverse. Explosion de la part de Mary qui a été fait sur Logic. On est vraiment sur deux explosions qui permet le but. Magnifique but, explosion de la part de Mary. Mary qui a carry ce but. Magnifique but de la part de Oak grâce à Mary qui n'est pas écrit dans le but décisif. Mais... Le rebonjour. Rebonjour, un plaisir de te revoir mec. On assiste à de très très un très très bon match. Parfait. Très très bon match mec. Loi Pandore qui bat but. Pendant qu'ils sont en train de te parler, il y avait un magnifique but, donc on va voir. Donc il y a eu un fast flip qui a été repris par Loi Pandore qui a été tout de suite mise en pré-shot. Magnifique, très beau but. Est-ce que tu as rejoint par hasard? Il est en train de rejoindre. Nickel. Il y a 1-1 pour les deux joueurs. 2 minutes 28. Nickel mec, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Plaisir d'être de retour. Bah mec, tu m'as avec un ordinateur qui fonctionne. Tu m'as juste trop manqué en fait, je ne peux plus me passer de toi. Brainless qui l'arrête. Repris par Logic. Le joueur Mary qui
Oh, il y a peut-être eu un kebab là. Au hack. Oh, il y a eu. Alors, il y a eu un. Il y a eu un petit bump de la part des joueurs orange, je crois, ce que j'ai vu. Assez perturbant. Tac. Logic. Ouf. Contre de la part de Merrick sur Logic. Stress. Oak qui la reprend. Qui va essayer de, je pense, de bump l'un des joueurs. Loa Pandore qui est juste derrière la balle, qui a été repris grâce à la communication par Logic. Repris par Thunder qui va essayer de faire un centre, mais malheureusement contré. Oh, contré par Mary et Oak qui se retrouvent en attaque chez les Bleus. 1v1. Un kebab de la part de Il y a eu un kebab, il y a eu un kebab. Mon dieu, il y a eu un kebab, mesdames et messieurs. Kebab, c'est quand on va faire une aérienne. Donc aller en l'air. Et malheureusement, oh, incroyable. Mary qui la met. Petit stress, je crois qu'il y a eu un petit stress de la part des autres joueurs. C'est Logic qui a voulu la dégager. Oh, il y a eu un bump. Il n'était pas très loin de l'arrêter. Un bump, c'était un pur bump de la part des joueurs. Des joueurs bleus. Peut-être juste un petit misplay. Continuons, mesdames et messieurs, 2 à 1 pour l'équipe Kanpai Senpai. Logic. Ça dérange pas cette action. Ah, c'est assez complet en tout cas comme match. Très très impressionnant. La démolition. Très belle démolition de la part de Mary. Thunder qui fait une passe, Logic qui la reprend pour essayer de la mettre et qui essaie dans le double tap et qui touche directement la latte et ça rentre la latte qui a carry mais qui était de façon pour un double tap. Pour l'instant, on n'a pas vu de gros but avec un freestyle. Hein. Pour l'instant. Et c'est des matchs compétitifs. C'est vrai, mais moi je veux le. Moi je veux le freestyle, moi. J'ajoute un point bonus. Le Mary freestyle, troll. C'est tellement pour les joueurs qui. Qui n'ont pas peur. Oh, magnifique. Quand même, l'aérien, il n'est pas. Alors, il a essayé de bump le joueur. Il n'a pas essayé de faire une. Ouais, c'était assez sympa comme tentative. Brainless qui l'attire, qui sera enlevé par Loa Pandore. Les pseudos sont assez étranges. Loa Pandore. Ouais, qui fait son aérien. Logic qui s'avance tout seul. Brainless qui la reprend, mais Oka est devant pour essayer de la reprendre. Qui a loupé la balle, malheureusement. Qui jouait le contre. Ouais, il jouait le contre. Oui. C'était. J'avoue, je sais pas si c'était très intelligent. Oak. Très beau dégagement de la part de Oak. Centre qui a été repris par Mary pour la dégager. 10 secondes, mesdames et messieurs. 2-2. On assistera peut-être à l'overtime. Peut-être s'il y a un but. 3, 2, 1. Oak qui la pose directement sur le sol, mesdames et messieurs. Première prolongation de ce tournoi. C'est notre première match, hein. Premier prologue. Oui, c'est ça. Oak qui est en difficulté en vue de la défense. Thunder qui la reprend. Ouh, Brainless qui la tire au loin. Avec un magnifique wow. Logic est juste en dessous de la balle. Qui était. Alors là, c'est l'arrêt. Mec, l'arrêt. Thunder qui la reprend pour faire une aérienne. Oak qui la dégage. Mais juste ici, il y a Logic. Ah non, c'est Brainless qui a été défoncé. Ah, je vois, d'accord. Logic qui la reprend pour essayer de la remettre. Lopodor qui initie au cas où. Oak qui l'a dégagé. Thunder est juste ici pour tenter quelque chose. Communication à fond. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah, ils vont à deux. Brainless qui fait la passe à Mary. Qui est malheureusement repris par Thunder pour les joueurs orange. Lopodor qui est ici, qui a malheureusement fail. La balle, Brainless l'a repris pour faire un redirect. Logic qui la reprend, qui fait une passe à Thunder et qui va peut-être faire le dernier but. Non, malheureusement, ça a été mal cadré. Lopodor qui va tout seul sur la balle faire un centre tranquillement. Attends, mais ce genre de d'arrêt. Mais ouais, ce genre d'arrêt, c'est très très beau. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je kiffe voir ce genre de choses. J'ai pas vu d'arrêt. Ah merde. J'ai loupé toute l'action. Ah, il y a eu un arrêt, je crois. Je suis pas sûr. Je dis de la merde peut-être. Je sais pas. Je pense que je suis un menteur en fait. En fait, je suis dans une autre game. Je regarde une autre game là. Oak. Oh non, pardon. Oka. Brainless. Ah, c'est peut-être, je dis Oak depuis tout à l'heure et c'est Oka. Bah, désolé. Brainless qui l'a mémé. Désolé. Désolé. Sincèrement désolé. Brainless qui est juste en dessous, Thunder qui est ici pour essayer de faire un centre. Oula, autogol. Le own goal. Mais non. Pas comme en ça. En prolongation. La feinte. Non, pas comme ça. Mesdames et messieurs, c'est la première. Non, pas comme ça.
c'est le premier point attribué au joueur. Mary qui trolling, voilà, exactement, Mary qui troll. Mary qui troll, voilà, bien évidemment. Mary qui tombe du mur et qui n'a plus de boost pour se pour changer de direction. C'est exactement ça. C'est fou ce qui vient de se passer. On se met prêt, prochaine game. Très impressionnant en tout cas de ce début de game. On a 6 vraiment à deux équipes qui sont très fortes. Donc c'est assez impressionnant. Continuons, mesdames et messieurs, dans cette game. Go. Est-ce que tout le monde est là? Ou je peux mettre go? Je vois 8 joueurs. Go. Et bien sûr, GL, HF à tous. Avec une faute d'orthographe, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la prochaine game de Rocket League qui s'oppose à RLXE versus Kampai Senpai. Premier point pour bien sûr RLXE, sachant que c'est un BO3. Si RLXE gagne ce prochain point, gagneront cette partie et partiront en finale contre. Contre. J'ai pas envie de me tromper. Contre. Kai. Quelque chose dans le genre là. J'ai oublié. Kyo. Je pense que c'est ça, mais en tout cas c'est bien. Sikyo RL. Ah, Sikyo RL, ils se retrouvent contre Sikyo RL. Donc c'est parti pour ce magnifique deuxième match de ce BO3. Explosion de la part de Logic. Brainless, magnifique pinch. Repris par Mary qui a été enlevé malheureusement par un joueur de l'équipe bleue. Logic qui est ici. Oka qui a failli la mettre. Mary qui la reprend, qui s'est fait malheureusement tuer par un joueur bleu. Brainless qui la reprend. Brainless, je ne le voyais pas, mec. Je ne le voyais pas arriver. Il arrivait si vite. Oka, il reprend. Oka pour la deuxième. Oh, magnifique. Dommage. Oh, waouh. Thunder Sanders qui arrive à l'arrêter. Très très bel arrêt, en tout cas, de la part de l'équipe bleue. Oka, tout seul. Tu fais une passe à Mary qui va essayer de la prendre pour faire un redirect. Malheureusement, pas assez rapide. Les joueurs bleus sont déjà dans leur base pour arrêter cette balle. C'est une très bonne défense et un très bel attaque qu'on a, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Des deux côtés, oui. Les deux équipes se défendent très bien. On a vraiment deux bons gameplay et de teamplay aussi. Logic qui essaie de la reprendre, qui n'a malheureusement pas été réussi grâce à Mary qui était ici en choc pour l'arrêter d'un coup. Mary, tu dors, d'après Red Sky. Écoute, Mary, ce sera directement retransmis. Le contrôle de la balle. Mais non. Mais non. Qui fake le défenseur. Attendez, je veux voir ce but parce que j'étais en train de regarder le chat. Oh non, mais c'est encore un... C'est un autogol. Il y a eu un autogol par équipe pour l'instant. Donc pour l'instant on est bien équilibré là, on est bien. Hein. Pour l'instant on est assez bien. Continuons, mesdames et messieurs. Loapodor qui a essayé de la reprendre. Oka qui est ici, mais repris par Merika. Oka l'a loupé. Logic qui va la reprendre. Malheureusement miss. Mais... On a une défense un peu plus... Là, il y a une petite... qu'on appelle ça ? Une petite dépression, entre guillemets, au niveau de l'équipe bleue. L'équipe bleue qui est un peu plus désorganisée que... Exactement, voilà. Exactement ce que je voulais dire. Merci, Matt. T'es le meilleur, encore. Sanders qui la reprend. Logic, qui est ici pour la reprendre, qui va tenter une aérienne. Mary est là pour dégager la balle. Dégagée aussi encore par Oka, repris par Loapandor, qui essaie d'être bum, mais qui n'a pas réussi. Logic qui va faire un centre, repris, malheureusement intercepté, qui est repris, mon dieu, repris par Tundet. Donc c'est un centre fait par Oka. Le centre a été fait par Oka ou Mary? Ça a été fait par Mary, le centre. Et regarde, Logic était déjà là pour essayer de bump pour faire quelque chose. Alors c'est en train de full insulte à Mary dans le chat, c'est incroyable. Vous avez une certaine proximité avec Mary à ce que je vois, non? Mary qui fait pas, bien sûr, une partie de l'équipe. Kampa Senpai. Oka. Thunder. Mary qui va la reprendre. Repris par Brainless, malheureusement, qui a été loupé. Mais Mary est là pour essayer de faire un centre et son allié. Et juste ici, malheureusement, loupé. Je dirais que loupé de la part de l'équipe orange. C'était en parlant. On est proche de Mary. Ah, ok. Écoutez, soutenez-le, hein, il en aura besoin. Oh, mais magnifique but. Mais non, mais en fait, à chaque fois que je parle sur autre chose, il y a un but, en fait. Peut-être qu'il faudrait que tu parles un peu plus. Ouais, c'est vrai, je suis désolé, mec. Ouais, non. J'espère que tu m'excuseras, en tout cas, Matt.
C'est de ta faute s'il n'y a pas assez de buts. Ah ouais, avant il y a eu un 5-0, mec. Il y a un 5-0 et il me dit il n'y a pas assez de buts. Je t'emmerde. Faut le trash pour qu'il joue mieux. Je n'en tiendrai pas compte. Oka, qui la dégage, qui va la reprendre, qui va essayer de dribbler un des joueurs en face, qui prend un centre repris par Brainless. Oh, fake. Oh mon dieu. Mais non. Bah regardez votre teammate Mary, elle va très bien non. Alors là, je sais pas si il était fait exprès le fake, hein, je pense pas. Parce que je sais pas, en tout cas. Le kebab qui se transforme en opportunité, ouais, en or. Je te jure. Je pense que c'est ça, vraiment, je pense vraiment que c'est ça. Continuons, mesdames et messieurs, l'Oppo d'or qui la reprend. Repris par Oka qui va défoncer Monsieur Thunders. Mary, encore une fois, devant, qui va stresser les deux joueurs, qui va pouvoir faire un centre à son équipe. Personne n'est en attaque, malheureusement. Brainless va essayer de faire une passe à Oka, qui va se faire... Ouf, on a eu un plan, là. Il allait se faire tuer, mais à un point. Ouh, magnifique redirect de la part de Logique, malheureusement. Pardon ? La frappe qui manquait un peu de puissance. C'est vrai. T'as totalement raison. Surtout l'angle aussi, hein. Pas très. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment assez beau. Landlord qui s'envole tout seul. Brel, est-ce qu'il a essayé de l'arrêter ? Thunder qui est ici pour la reprendre, centrer pour l'Opodor pour qu'il fasse quelque chose. Malheureusement, ça a été intercepté par le joueur Oka. Logique qui est juste au-dessus de la balle, qui s'amuse avec la balle comme si c'était sur un cirque. Je te jure, l'Opodor ! L'Opodor, il est on fire. Je sais pas, il venait d'où ? Ah, simple but ! Très simple comme but, il s'est vraiment mis au-dessus de la balle, vraiment. C'est un match très serré qu'on assiste, mesdames et messieurs. C'est vraiment sympa. Matt, tu penses c'est qui va gagner là ? Vas-y, dis-moi, fais-moi un prono là. J'ai pas de pronostic, je suis arbitraire. Je suis neutre. Je suis suisse, mesdames et messieurs. centre, Brainless qui l'a arrêté. Brainless qui va essayer de la reprendre. Oh, mon dieu, très dangereux. Mary qui sauve. Eh, hey, les gars dans le chat, Mary qui sauve. Ouais, c'est une très belle démolition. L'Opodor qui fait une passe à Logique. Gros stress, hein. Là on est vraiment sur un champ de moutons. Les 5 dernières secondes. Exactement. Et les dangers là, qui arrêtent juste devant le but. Exactement. GG Akampa Senpai qui gagne ce deuxième match. Très impressionnant encore, hein, bien sûr. On va pouvoir commencer la prochaine game sous peu. Ça va être très intéressant comme game. C'est bien sûr la game qui va tout compter, bien sûr. La game qui va dire est-ce que tu vas aller en finale ou pas, mesdames et messieurs. Ça va être un plaisir. C'est clair, where is Brian ? Écoutez. Je crois que tout le monde a rejoint et qu'on peut commencer. Mary, pardon. Tout le monde a rejoint ? On peut commencer ? Nickel, on peut commencer, mesdames et messieurs. C'est parti. On peut commencer à rejoindre. Ah, mec, tellement les boss. C'est parti pour la dernière game de cette demi-finale. Il est 21h28. Merci d'être sur Japan Impact et on vous met tout de suite le live. À quelle heure doit-on rendre l'antenne ? Est-ce que tu sais par hasard ? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais... on est censé rendre l'antenne à 21h45. Ok. Et je vais voir si c'est possible d'avoir l'antenne un peu plus longtemps. On va bien regarder si on peut faire ça. Logique qui reprend, qui va essayer de faire une belle aérienne pour la reprendre, qui a été contrée malheureusement par Brainless. Brainless qui reprend le pouce qui a été pris par Oka. Brainless qui arrive à dribbler, qui va peut-être refaire un dribble, centré. Faut faire un centre. L'Opodor qui arrive à la contrer, mais Oka qui est juste en dessous, qui a fake Sundez. Oka. Oh, magnifique arrêt de la part de l'Opodor, encore une fois. L'Opodor qui est on fire, encore une fois, qui va essayer de la reprendre. Magnifique redirect. Tir. Simple, Logique qui est ici. Mary qui est juste en dessous pour l'arrêter. Très dangereux ce qui a failli se passer. Et ouais, n'hésite pas à demander si on peut déborder durant la pause par hasard. Oui, alors je viens de recevoir un message de la réponse qui nous dit qu'on peut.
peut dépasser sans problème. Pouah, la régie on fire et qui met, dès que t'as dit ça, Sunden a marqué le premier but de cette troisième game de cette demi-finale contre RLXZ et Kampai Senpai qui est magnifique, magnifique tir en tout cas, mais super, bon, on peut dépasser. Mes amis, on se retrouve jusqu'à minuit ici, c'est genre, on sera en prologue, ça va être énorme. Peut-être pareil, il y a quand même un concert après. Oui, c'est vrai que très bon concert à 21h, à 22h15. Ne manquez pas le concert Akara juste après ce tournoi. Et bien sûr, demain, la matinale, on continue la suite des programmes d'habitude. Bref, restons sur Rocket League. Ok, qui la reprend ? Lopodor qui va essayer de la contrer pour essayer de faire un centre à son équipier. Mary qui la dégage. Quelqu'un est en défense. Under qui sera ici pour la contrer. Mais malheureusement, Oka a plus de boost pour pouvoir faire quelque chose. Logic qui est ici. Qui a essayé de faire un pitch. Logic, centre. Centre qui sera peut-être pris par Lopodor et arrêté par Brainless. Magnifique arrêt que je n'ai pas pu voir à cause de la voiture, cette putain d'Octane qui a caché cette vue. C'est peut-être aussi le mode observateur qui... En effet, ce bâtard, Mary. Mal fait. Il faut bien, on va pas commencer à changer chaque plan. Ah, Fake a été tenté par l'équipe. Brainless qui a été bump. Logic qui a très très bien arrêté. Magnifique challenge, ça va faire entre les deux. Logic qui la reprend, qui a réussi à la mettre en face, mais alors Brainless est juste à côté. Mary qui s'est très bien placé. Centre pour les oranges, peut-être personne n'était là. Je suis déçu. Matt, sois déçu. Pas à être impliqué. Non. Mary qui la reprend. Mary le qui voilà. Et voilà, le voilà, Mary. Le voilà, mesdames et messieurs. Le vouloir. Voilà. En fait, c'est à chaque fois que je commande pas que ça marque. C'est fou. Je te posais la question, c'était bien. Et... les orages prennent quand même des risques. C'est vrai. En décollant à deux pour cette balle. C'était un move très intéressant. Mary qui fait confiance à ses équipiers. Non, mais c'est un très très bon play de la part des deux équipes en tout cas. La défense et les attaques sont très bonnes hein, en plus. Et les contrôles de balle aussi. C'est vrai, on a bu un beau contrôle en autogol avant, c'était sympa. Oh Oka qui arrive à l'arrêter. Bon contre de la part de Sanders qui a été repris par Maisy qui est en fille preset actuellement. Il a rien fait malheureusement, dommage. Lopodor qui se fait dribbler par Brainless, mais Sanders est là pour la reprendre. Encore Oka qui revient, attendez, mais arrêtez dans tous les sens. Le là qui met la pression en attaque. Exactement. L'équipe orange ne se laisse pas faire et dégage la balle. Mary qui la reprend en pinch. Lopador qui est ici au cas où pour la dégager. Oka qui la reprend, qui fait un bisou à son allié. Qui reprend son allié. Et qui l'envoie sur la balle parce qu'il était dans le mauvais sens. Vas-y, enfoiré. Imagine, c'était prévu, genre mets-moi sur la balle, mets-moi sur la balle. Ok. Oka qui va essayer de la dégager, mais qui fait un centre pour l'équipe bleue, mais qui est malheureusement personne. Logic qui va essayer de faire quelque chose, Brainless qui la reprend, Sunders qui va dessus, qui va contrer, Oka qui est ici, mais Logic est bien plus rapide, il va essayer de faire un trip pour essayer de la mettre. Mesdames, messieurs, oh, mon dieu, tellement pas loin, tellement pas loin. Alors là, c'était vraiment pas loin. Incroyable. Il y a pour le tir direct. Totalement. Mon mode réalisateur a full bugué, c'est bon, Mary la balle Brainless qui va tirer, qui a été arrêté maintenant par Sunder. On est à 1-1. On est à 1-1. Parfaite égalité entre les deux équipes. Ouais, niveau vision de jeu et tout ça, ça va très bien. Apparemment, je pense qu'il y a une très bonne communication, c'est un très bon teamplay. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir ce genre de match très serré. Très très serré. Brainless. Lopandor qui va essayer de la reprendre en aérial. Qui arrive à la mettre, qui va peut-être effectuer un centre. Logic qui la reprend, peut-être centré pour l'équipe, malheureusement non. Les deux équipiers orange étaient là. Mesdames et messieurs, plus que 10 secondes. Logic qui la reprend. Brainless qui est là pour la contrer. Personne en défense. Lopodor qui va essayer de la reprendre. Qui l'a repris. Oka qui contre encore. Et je pense que ça va définitivement le mettre sur le terrain. Pas du tout. Logic là. Ah, attention. Non. Oh, quand même. J'ai cru qu'on était dans la RLCS là. Le challenge qui est. Ouais, je te jure. Je te jure. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour cette dernière partie. Là, je pense qu'il peut avoir un but là maintenant, de suite là. Brainless qui la reprend. Thunder. Thunder qui prend du boost.
Ah, qui essaie de faire un contre, très très beau contre, logique, qui la dégage en direction de l'autre Kevin Lass qui fait un très beau dégagement. Explosion, là il faut en profiter, 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 mesdames et messieurs, c'est le but. Loi Pandore, là il faut en profiter. L'équipe, mesdames et messieurs, l'équipe RL.exe. Qui fait disparaître la défense. Qui l'a fait annuler. Il annule la défense. Ouais. GG, je mets GG. Bien joué aux deux équipes. Avec un cœur, bien sûr. GG avec un cœur. Merci à tous. Merci aux équipes en tout cas. Merci beaucoup. Donc c'est la win de la part de RL.exe. Très très beau match. Vraiment très très beau match. Il faut qu'ils quittent la partie en vrai. Je crois qu'ils vont quitter. Nous on reste dans la partie, c'est ça? Ou on... on reste dans la partie pour l'instant. Ouais, dans la partie. Pas trop déçu, j'espère, ouais. Le chat, hein, votre favori n'est malheureusement pas dans cette compétition. Je suis désolé, j'étais dans les deux équipes. Bon bah, écoute, ça va alors, si t'étais dans les deux équipes, c'est bon. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette game en vrai? Fais-moi ressentir ton côté analyste là. Alors, cette game. tu parles de la troisième partie. Ou de la totalité. Fais-moi rêver la totalité en fait. La totalité. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un crash. Un crash du plus profond de mon cœur. Le crash de Rocket League. Il a recrashé toi. Non, c'est bon. C'est ok, ok, ok. C'est sous contrôle. Mais c'était une belle, confrontation par ces deux équipes. En effet, très 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 belle confrontation. Notre prochain match, donc, ce sera, comme je vais vous l'afficher, mesdames et messieurs, prochain match. Ah mais en fait, il faut qu'on quitte. Mais pour oui, changer le nom des équipes. Bah oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, prochaine confrontation, ça sera Sikyo RL contre RL.exe. Voilà. Pour notre finale. Bien sûr. Est-ce que du coup, t'as un petit pronostic par rapport à ça? Perso, je pense que j'en ai un. Mais non. Vas-y, par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que tu arriveras à me dire un petit prono? Alors, on a pu voir que CQRL est quand même très bien entraîné, un très bon jeu d'équipe. Ils savent mettre la pression en attaque. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Je suis assez d'accord. Mais RL, si jamais RL.exe en bleu, si c'est possible, serait vraiment gentil. Quoi. Oui. Mais en tout cas, ouais, avant c'est... Avant le début de cette finale, je tenais quand même à remercier Gaming Federation qui était là pour nous aider à superviser les phases de qualification. C'était super cool de travailler avec vous. Et... En tout cas, merci à eux, merci à Gaming Federation. De vous revoir. Merci beaucoup à Gaming Federation en effet qui a beaucoup aidé apparemment à faire ça. Moi j'étais en matinale, excusez-moi. Je n'ai pas pu voir cette aide. Mais en tout cas, merci beaucoup à eux en effet, Gaming Federation, d'avoir aidé à faire ceci. On les remercie beaucoup. On les remercie énormément, Gaming Federation. Est-ce que tu peux me rappeler quelle équipe est en bleu? Mec, il n'y a pas de souci. C'est RL en bleu. RL en bleu? C'est magnifique. RL.exe en bleu. Sikyo RL. En orange. Exactement, bien joué, tu es perspicace. On va garder. En tout cas, très très beau match. Les deux matchs qu'on a fait étaient vraiment très intéressants. On a eu vraiment, en tout cas pour le dernier match, on a vraiment eu un très très bon challenge, vraiment deux bonnes équipes. Et là, moi personnellement, je mets mon point sur Sikyo qui gagne. Ça, c'est mon pronostic à moi. Voilà, ça c'est mon petit pronostic. Je vais rejoindre ta game en attendant d'ailleurs. Il n'y a pas de game pour l'instant. D'accord. Donc la petite finale, oui, la petite finale, ce sera après ce live. Je ne pense pas que c'est après ce live, je pense que c'est pendant le live. Ah! Que les deux équipes vont s'affronter. Écoutez, dès que notre finale commence, vous pouvez faire la petite finale si vous êtes sur le chat. Donc créez-vous une game et faites-vous un BO5. Est-ce que je sache la petite finale, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Eh bien, faites-vous un petit match et puis vous nous donnerez les scores. Je vais essayer de rejoindre la partie. Très bien. Merci Okawa de ton intervention ici. C'est les mêmes mots de passe? J'ai modifié les textes. Très bien, très bien. Je vais regarder ça de suite, mesdames et messieurs. En attendant, je vais mettre le classement. En tout cas, est-ce que tu as déjà dit ton pronostic par hasard?
qui va gagner? Qui va être final? Qui va être le grand gagnant? Ah mais tu sais, on peut pas dire si tu qui peux. Va gagner à l'avance. Si tu peux. Ah bon? Si tu peux, t'as droit. J'ai droit? Oui, t'as droit. Je t'autorise, mec. La réflexion du man. Est-ce que t'es dans la partie? Je suis dans la partie, vas-y. Écoute, tu veux pas... Oui, alors je vais... Non, mais je vais partager le... le mot de passe. Moi, en tout cas, voilà, pour moi, c'est Sikyo qui gagne. Voilà, voilà, mais c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Moi, je vous dis juste ce que j'ai vu. Moi, après, je on aimerait pas... bien quand même voir. Moi, je veux voir RL.exe gagner. Voir RL.exe s'imposer. Voilà, et on avait aussi comme team dans tout ça, on avait aussi, je crois, tomate, oignon. Non. Salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon. Pas pu se qualifier pour ces phases finales. Ça aurait été génial. Ça aurait été fou. Vraiment, j'aurais kiffé les voir, en tout cas, en finale. Mesdames et messieurs, donc on va tout de suite bientôt passer à tout ça. Je te laisse les inviter à rejoindre la game, monsieur Matt, avec plaisir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir lancer ça. Un petit message de... Message, hein. Vas-y, y a pas de soucis. Non, je réponds à un message. Ah, pardon. Alors, en tout cas, merci d'être 88 sur ce magnifique live, ça nous fait vraiment plaisir. Sachez que nous, en tout cas, Newton et Jack Marek, qui font partie de Dash Studio, on sera demain à la matinale à 10h, et ainsi on sera aussi au débrief à 17h. À ce que je sache, je crois que ça doit être cette heure-là, ou à 19h, je ne sais plus, regardez sur le site. On sera là pour couvrir l'event du début jusqu'à la fin, en vous présentant ce qui va se passer et aussi comment ça a été pour nous. Voilà, nous on a fait les designs de toute la chaîne et c'était vraiment un énorme plaisir, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Est-ce que tu es bon chez toi, Matt? Alors, est-ce que tu vois toutes les équipes dans la partie? Je ne pense pas. Non. Je ne vois super. Je ne vois personne. Peut-être parce que les finalistes ont disparu? Non. Les finalistes ont disparu? Non. Messieurs, je crois que les finalistes ont disparu avec un claque de Thanos. Ils ont changé de dimension. Où est CQRL? Où êtes-vous? En tout cas, très très beau match qu'on va assister, mesdames et messieurs. Ils sont là. Ah, cool. Allez, on va leur demander de rejoindre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être présents. Je meuble comme je peux, bien sûr. Je vais passer en vocal pour leur dire de rejoindre. Fais donc. Je suis totalement actuellement en train de meubler tel un meuble Ikea. On m'appelle généralement Conforama, on m'appelle tout ce que vous voulez, on m'appelle par plein de noms différents. Voilà, je suis ici pour placer des meubles, un Glurburst, un CBC. Par ici pour meubler cette magnifique finale qui va arriver dans quelques instants. Très content en tout cas de couvrir cette finale et pour l'instant 5 joueurs est présent. Hey, salut mec, j'ai bien meublé. La parole. Mec, incroyable ce que et si, ils sont là les amis? Ils sont là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On peut faire observer et je peux faire go démarrer. Mesdames, messieurs, Nous assistons aujourd'hui à la dernière partie, au dernier segment de cette journée de Rocket League. Merci beaucoup et c'est parti pour ce BO5. On rappelle que les vainqueurs de cette partie repartiront avec 6600 crédits. C'est vrai. Et voilà. Voilà, c'est tout. Merci mec. J'adore. Allez, je refais. Allez, c'est parti mec. Thunder, du coup, on retrouve les habitués, bien sûr. Premier but. C'est comment ça? Premier but, RL.exe qui marque leur premier but, mesdames et messieurs. Thunder qui fait une magnifique passe à son coéquipier, Loi Pandore. J'ai envie de l'appeler Loi. Loi Pandore qui marque du coup leur premier but. Un plaisir de voir ceci. Ouf, il s'est fait pump. Il s'est fait, oh mon dieu, éjecté. Il s'est fait éjecter. Loi Pandore qui essaie de faire quelque chose, qui fait un ceiling pour essayer, qui est repris. Oui. Voilà, un énorme ceiling mec, t'as vu ce ceiling qu'il a fait? Trois joueurs qui décollent, hein, ouais, pour l'attaque. Le pinch qui repart vers le côté bleu. Les bleus qui ont la position de la balle, logique. Juste à sa droite, Thunder. Peut-être une passe qui va être effectuée pour avoir un bon gros tir. Repris par Loi Pandore, avec qui va prendre le boost, qui a failli se faire bump. Laure est de retour, qui était dans le chat. Bonjour Laure. Laure,
qui l'a bien dégagé. Nico qui tente de faire un centre, mais centré, toujours centré, pas du tout dégagé. Magnifique. Magnifique arrêt de la part de Nico. On assiste vraiment à un duel de champions là. Hein. On est vraiment sur un bon match. Hein. Thunder qui la reprend. Oh, qui a été. Alors, mon dieu. Alors là. Mais il était là. Logique, en effet. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ce but? Ce but ou. Alors, cet arrêt. Cet arrêt peut-être un peu moins. Mais en tout cas, magnifique but. En tout cas, très bonne présence. Encore une pression. Une pression qu'on vit. Alors là, pour une fois, c'est RL qui met la pression. Étonnamment. Très très bonne Magetiti pardon qui était dans le chat. Let's go Magetiti, let's go, je sais même pas qui c'est. Il est même pas affiché là-dedans. En tout cas, nous continuons 2-0 pour la team RL. Mais attendez, mais quand je parle, il y a des buts. RL.exe qui marque, Logique qui arrive à faire un solo, totalement un solo, autopass et tout ça, une défense qui est un peu perdue au niveau des Sicoyo. Je pense qu'ils sont un peu du père. Là on assiste à une petite dépression, une petite perte de moyens du côté des oranges. Mais la game n'est pas finie. Il y a eu un pitch énorme là. 3 minutes 30 c'est suffisant pour remonter 3 buts. Bien sûr totalement. Nico qui la reprend. Malheureusement pas cadré. L'opérateur qui la prend, qui a été fake par Sanders. Sanders qui est ici. Logique qui est là avec la position de balle. Malheureusement, Thunder n'est pas ici pour reprendre la balle. Laure est ici pour essayer de la marquer en solo, mais dégagé par Sanders qui a été repris par l'équipe adverse. Sanders qui va la reprendre, qui va tenter de faire un centre, qui va être peut-être prendre par Logique, qui a été arrêté malheureusement par Laure. Une pression qu'on a toujours. Hein. Regardez cette position, Laure Pandor qui est ici. Voilà, là on a un peu. Mais regardez-moi cette pression. Il est tout le temps là. Incroyable. Sanders qui la prend, Nico qui va essayer de la dégager pour l'enlever de ses cages, Nico qui la reprend vu que c'est dans sa lignée, qui va tenter de faire un centre. Malheureusement personne n'est au centre, c'est triste, j'ai envie de pleurer. Juste envie de pleurer. Ne pleure pas. Je ne pleure pas du coup, merci mec. Nico qui la reprend, qui a failli la mettre, malheureusement c'était pas loin. Attends, c'est cadré ça. C'est cadré. Très très bien. Mais lié le poteau quand même. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Logique qui n'arrive pas à la reprendre et c'est un magnifique but de la part de Thunder. Mais Logique a voulu voler le but. Eh oui. Logique a voulu voler le but. Regarde-moi ce salaud. Il a peut-être pas pensé que le balle était dedans. Ouais, je pense, ouais. Ou alors c'est un vulgaire voleur. Le monstre, nous dit le chat. Tout à fait. C'est un grand monstre. Mais en tout cas, on assiste à un très très beau jeu de la part des RL. Oui, mais on espère quand même voir les CQ se réveiller. En tout cas, pour leur mettre un peu plus de pression. Ouais, là, Logique est encore en full solo. Logique est vraiment on fire aujourd'hui. Hein. Il arrive à faire vraiment de très très bons, très très bonnes passes qui arrivent. Peut-être Thunder malheureusement qui n'arrive pas. Le premier pas. But. Premier but de la le part. Premier but de la CQ. C'est que RL, premier but de leur part. Ça fait une ouverture de score pour eux de 4-1. Leur premier but dans cette finale. Tout est montable. Hein. Après, est-ce qu'ils arriveront à faire 3 buts en 1-39? Ça va être compliqué. Personnellement, je trouve ça compliqué. Il reste encore beaucoup de parties après celle-là. C'est vrai, je suis d'accord. Mais ça peut être compliqué, tu vois. Là en tout cas tu vois les bleus ils mettent une très très bonne pression, RL.exe met une très bonne pression, ça peut être vraiment très chaud quoi. Beaucoup de passes du côté des bleus. Exact. De part en Logique part en solo. Et pourtant les passes on était très habitués à voir chez Sikio. Hein. Oui. Juste. Très très bonne destruction qui va permettre à faire un magnifique tir qui a été contré par Logique. Laure qui a voulu la prendre, Laure qui va. C'est de bump quelqu'un qui peut peut-être exploser. Non, absolument pas. Thunder qui la reprend, qui va toucher le plafond repris par un joueur adverse. Logique qui s'est fait dribbler, qui est dans l'équipe des oranges. Thunder qui va peut-être faire un double table, le premier double table de cette compétition. Malheureusement, ça n'a pas passé. C'était pas lent. Pourtant, ça avait l'air vraiment très beau. Hein. Là, c'était vraiment. Ça avait l'air assez clean.
Et effectivement, si tu voulais voir du freestyle, tu aurais plutôt dû être là pour les qualifications. Ah, je suis dégoûté. Mais j'étais en matinale. Excuse rien. Magnifique challenge de la part de Nico. Logique est toujours là. Commence à être compliqué avec 15 secondes au compteur. Tout est possible, mec. Tout est possible. Thunder qui se fait dégager. L'opener qui est là ici. Il y a un centre open pour les joueurs. Mais ça va directement dans l'équipe en face. Oh, très très bon arrêt. Mais attention, c'est peut-être un but quand même. Magnifique but. C'est un but. Bon, c'est un but pour un but quoi. Oui, on peut voir l'action en un tout avec le pinch en équipe. Totalement. Et la passe qui fait le dégagement vers le but. Très très belle game de la part des joueurs. En tout cas, c'est un très très beau score qu'on a ici. 4 à 2 pour l'équipe. Pour l'équipe des RL.exe. Assez impressionné en tout cas de ce score et hâte d'en savoir plus. Donc RL.exe qui prend leur premier score dans cette compétition en BO5 pour cette finale. Mesdames et messieurs, nous continuons tout de suite avec la manche numéro 2. C'est parti, nous pouvons rejoindre. Très très beau match en tout cas qu'on a assisté. Hein. Relax. Peut-être un problème technique. Ah, un joueur a quitté Bastille. Ah non, ils sont tous là. Cool, parfait. Bon. Nous continuons du coup, prochain match. RL.exe contre Skio. RL, un point pour RL.exe, sachant que s'ils arrivent à 3, ils seront gagnants de cette finale, mesdames et messieurs. Pronostic, toujours pas, Matt? Pas de pronostic. Pronostic, non. Tu veux pas de pronostic, t'es sûr? T'as peur d'apporter la poisse? disons que j'espère voir CQRL se réveiller par rapport à la première game qu'on a pu voir. Ok, assez d'accord. Et sinon, les deux équipes se défendent. CQ qui a failli mettre un très très beau but. J'aime beaucoup la decal qu'il a, cette Fennec. Je la souhaite. Logique, qui la reprend? Qui va essayer de la mettre dans l'équipe adverse? Mais Bonnie est là pour la dégager. Malheureusement, il n'y a personne en face, c'est juste un dégagement pour la dégager. Lopodor qui la reprend, contré par le joueur adverse, Lor. Lor centré pour son équipe, repris par Nico. Nico qui va peut-être tenter qui va laisser la balle à Logique. Oh! Le pump. Il y a eu un accident. Un clignotant qui s'est oublié et du coup. Ça fait que peut-être c'est un but. Magnifique. Très très beau but de la part de Lor. Malgré ce qui s'est passé, il y a eu un très très bon challenge. Ça fait une ouverture de score, mec. Hein. J'espère que t'es content de voir Sekiro RL. C'est Lor. Yes. yes. De ouf, mec. Waouh. Le mec qui joue le point. Waouh. Incroyable. C'est parti, continuons. Logique qui dribble et qui fait peut-être un centre pour son équipe. Qui va continuer. Oh, ça faillit être un beau but. Thunder. Très beau d'équipe. But. Un jeu d'équipe impressionnant. Hein. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. C'était vraiment un très très beau but. Qui partait d'abord sur un solo. Et en tout cas, c'était vraiment très très clean comme action. Je vais boire. Je laisse la parole à Matt. Matt, je compte sur toi. Je regarde. Il vient d'avoir un but là. Je bois. Bon. Pas le temps de boire. J'ai même pas le temps de boire, mes amis. Avec RL.exe qui reprend l'avantage. En effet. Très belle reprise d'avantage avec un 2 à 1. Kick-off. Magnifique kick-off, ouais. Thunder. Nico donc après Nico en marche arrière. Nico qui se parque. Bonnie donc qui a la balle, qui va peut-être être contré par Logique, mais il a plus de boost que lui. La balle est dans le côté des oranges. Malheureusement c'est presque centré. Bonnie qui est tout seul et qui va la mettre en lucarne derrière personne en défense. C'était quoi l'erreur là? Il y a eu quoi comme erreur? Regarde.
Miku. Il y a eu un problème, mais où était l'autre joueur? Alors personne n'était positionné en défense. Il y avait une défense, il y avait une personne qui était en défense, pas là. Oui, si si, elle était là, mais... Ah ouais, ouais, mais je veux dire, il s'est bien fail. Il y a eu le maître, c'était un maître kebabi là. Magnifique dribble repris par Lore, Lore qui est là pour carry sa team. Thunder qui a été bump par Lore, non mais Lore. Ça continue. Lore on fire, Lore on fire. Malheureusement enlevé par Logique. Logique qui va essayer de la remettre. Magnifique challenge proposé par Nico. Nico qui reprend la balle qui va être peut-être interceptée par Thunder mais qui arrive très bien à dribbler pour faire son. Magnifique dribble, magnifique dribble. Faut qu'il la mette, faut qu'il la mette. Lore, Lore qui l'a. Incroyable! Incroyable, incroyable, magnifique. Non mais là, j'ai envie de mettre un beau tir, mais je suis en observateur. Incroyable, c'est un magnifique but là. C'était vraiment un très très beau but. Un très très bon teamplay. Là, on retrouve le teamplay qu'on a vu dans la précédente game en tout cas. Un plaisir de revoir ça. C'est vraiment. Un plaisir de revoir la CQ. Oh mais non, mais. Non mais mec. Encore une fois, c'est très rapide parfois. Hein. Là, on est vraiment sur une rapidité. Balle sur le backboard. Nico qui vient la pousser. Très très beau but de la part de Nico qui fait un magnifique solo causé par je ne sais plus quel joueur qui a loupé la balle en voulant la défendre. Balle qui est dans l'équipe débloquée et relancée par Logique dans l'équipe des Oranges qui va se tenter une aérienne pour faire un centre qui sera contré par Nico. Les deux joueurs posent en aérienne. Nico qui la reprend et qui sera repris par son coéquipier. Thunder qui se backdoor, Logique qui va aller dessus peut-être, qui va s'enlever et du coup Thunder qui va l'arrêter. Magnifique arrêt de la part de Thunder, Nico qui la reprend. Thunder qui la réarrête encore, arrête, arrête. Ça va pas ça part en attaque. Quel arrêt. Allez Orange qui oh, magnifique angle encore de la part de Lore. Sur les bleus. Lore a une très bonne pression à mettre, hein. T'as totalement raison là par contre. C'est assez fou. C'est assez fou cette pression qu'ils mettent. Loi Pandore qui va tenter une aérienne, une passe à Logique qui va tenter de faire ce qu'il peut. Il faut qu'il y ait quelqu'un au centre. Si quelqu'un au centre, c'est dedans. Sundos qui arrive à marquer. Là, on assiste à un bon team play à 3 là. C'est un très beau team play à 3. Très très beau. Et tu sens le truc et la compète Rocket League aller très loin. Allez, trop moi, je sens surtout, je sens surtout le temps qui commence à manquer. Justement. Est-ce que c'est possible, tu crois, de, après cette game, je pose la question à la régie en même temps de ce match, de décaler sur la salle 2 ce match, le prochain match, comme ça on laisse Akara sur la salle 1. Je ne sais pas si c'est possible. Ce serait assez pratique. Ce serait vraiment bien comme ça, on serait un peu plus libre et ne pas être causé par le temps. N'hésitez pas à répondre à Matt, la régie. Logique. Je regarde mes messages. Regarde tes messages, Matt. Thunder qui va la prendre, qui va. Oh, magnifique power shot, très très beau power shot de la part de l'Open Door. Dégagé par Lore, qui a encore une pression Logique, qui va peut-être la mettre en lucarne. Lucarne de la part de Logique. 4 à 4, mesdames et messieurs, c'est une égalisation du score de la part de RL.exe qui est là pour encore chercher son deuxième point. RL est là pour chercher de cette lucarne par contre. Pardon, on en parle de la lucarne? Non, on va pas en parler. De lucarne. Il y avait pas assez de joueurs dans cette lucarne pour l'arrêter. Je m'y connais tellement pas, je comprends rien. Écoute, je vais parler avec des mots plus prenants. Lore avance, Thunder qui recule, Logique qui avance. sympa cette game. Non, qui avance sur le mur. Et non. Du coup, ça a marqué Lore. Bouge et qui impacte la balle. Qui impacte la balle. Lore qui arrive à faire un magnifique. Qui arrive à profiter de Nico qui fait un magnifique power shot. Donc un shot très très fort contre le mur pour pouvoir profiter et faire cette magnifique. Magnifique but qui permet un 5 à 4 de la part de Sikio RL. Continuons mesdames et messieurs. Alors apparemment d'après la régie c'est possible de nous move à 21h05. Mais non, ça a failli arrêter. Et c'est donc peut-être la victoire de la part de Sikio RL.
Sikio RL qui arrive à faire son deuxième point, mesdames et messieurs, dans cette compétition. On se retrouve à 1-1 durant cette compète. 1-1. Très très bon. Alors, match. Très il faudrait peut-être prévenir les joueurs. Alors, est-ce qu'on va être... On va être move, c'est ça? C'est pas ce que t'as dit. Alors, je vais regarder. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'on m'a envoyé comme message. 22h. 15, on m'a dit. On peut aller vers les joueurs maintenant. On peut aussi laisser le troisième match sinon. Akara commence dans 15 minutes. Ok, go. On fait ce match. On peut mettre prêt. C'est le match. Ok. Allons-y. BO5. Go. On peut mettre prêt. Et après, on informera les équipes qu'on va changer de salle si c'est possible. Comme ça, ce sera plus simple pour nous pour faire ça. Nickel. Très très beau match encore. Hein. On assiste à vraiment de très très beaux matchs. 1-1. Un partout, mesdames et messieurs, sur un BO5, c'est vraiment une finale qu'on attendait. C'est vraiment le truc parfait qu'on voulait voir. Hein. Oui, un peu de stress en organisant le tournoi, que les inscriptions ne se remplissent pas. Mais au final, de très belles surprises dans les équipes. Oui, très belles surprises de la part des équipes et on continue avec ce match. Transition, c'est parti. RL versus Siki. Est-ce qu'on a tous les joueurs en rejoint? Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Après ce match, mesdames et messieurs, juste petite annonce. Après ce match, on va se décaler en salle 2. Donc n'hésitez pas à changer de salle pour revoir continuer cette finale. Et vous aurez le concert d'Akara à la place, bien sûr. Je vais te laisser commenter un petit peu pour que je boive parce que ma gorge est on fire. Oui, bien sûr. Donc, alors je ne comprends rien à ce qui se passe actuellement. La balle qui part sur le backboard, reprise par les oranges qui réussissent à marquer. Quand je suis pas là, il débute. Ça dégoûte. Oui. Je bois, je gugute. Allez, ciao. Allez, c'est ciao. C'est ciao. Cinder qui est un peu trop en avant de quelqu'un. Par contre, oui, c'est moi les télégrammes. Excusez-moi, c'est la régie qui me parle. Je m'en excuse. Ah, je n'entends pas les télégrammes. Ça doit être sur ton ordinateur. Totalement. Mais comme ça, ça fait genre vous avez des messages vous aussi. Ça fait genre que vous avez des messages. Très très beau redirect que nous avons eu, mais malheureusement mal cadré. Lors qu'il la dégage, mais repris par logique. Failli avoir un très très beau but, mesdames et messieurs. Lobodor qui est ici pour reprendre avec Logic qui va s'avancer, mais Nico est là pour la reprendre. Lobodor qui est encore ici, qui va encore la reprendre, mais Lor s'est fait dribbler. C'est une occasion. Occasion, Bonnie. Là, il faut qu'il reprenne la balle et qu'il fasse un centre. Alors, ça a été counter. What the fuck? Tout le monde s'est explosé. Hein. Nico qui la dégage. Personne n'est en défense bleue. Hein. Personne n'est en défense bleue. C'est open. Il faut faire ce redirect. Magnifique but de la part des joueurs Sikio RL, mesdames et messieurs. Très très beau, hein. Vraiment en essayant sur quelque chose de très très beau. Très très beau. Pendant ce but, je vois qu'on a les résultats de la première partie de la petite finale. C'est vrai? Oh, fais-moi rêver. Oui, alors cette première partie est remportée par Kanpai Senpai. Mais non! 7-2 contre Shadow Player. 7-2! Mais c'était un BO3 ou un BO1? Non, la première partie. Ah, on a la récente de la première partie, donc c'était 7-2. Je crois que c'est ça. Eh bien. Est-ce que je me trompe et que c'est juste pas clair du tout ce qu'ils ont écrit? C'est un petit peu violent, l'eau. Écoute, informe-toi du temps, je vais continuer à casser ce magnifique match. Personne en défense de la côté des bleus. Logique a besoin. Il reprend, mais ça fait un centre pour l'équipe des oranges. Et encore un centre, et bien sûr, c'était inévitable. C'était inévitable, mes amis. Ça devait arriver. La défense n'était pas assez coriace et les deux attaquants étaient trop présents pour l'équipe des Bleus. 3-0 pour la passe de Sikio RL qui reprend le lead de cette compétition. Donc petit relâchement durant cette première game qui a fait que RLXZ a pu gagner ce match. Mais voilà, très content de voir ce genre de match.
Laure qui va tenter un dribble, qui va faire le fake, malheureusement miss, mais qui va être repris par Nico. Nico qui va la reprendre. Magnifique. Nico a donc repris le dribble qu'a essayé Laure. Laure qui a fait de son mieux, et en tout cas très très beau team play de la part de l'équipe orange qui prend beaucoup beaucoup d'avance là dans le score. Est-ce que tu as des news, Matt? Alors, ils ont effectivement remporté la Kanpai Senpai a effectivement remporté la première partie. 7-2. Eh bien, bien joué à eux. Je me demande s'ils sont en train de faire les autres parties. Peut-être qu'ils ont cru et que c'était du BO1. Ah. Je vais voir. Je pense, vu le score. Pas de soucis, pas de soucis, je continue. Personne en défense chez les bleus, bien sûr. La défense était malheureusement. Là, on a un petit relâchement. Regardez, on a un joueur qui va chercher du boost, l'autre qui se mise et l'autre encore qui se mise. On a deux personnes qui loupent la balle et une personne qui va chercher un boost. On est vraiment sur une position. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Il y a juste 5-2, mec. Il y a juste 5-0, pardon. Là, c'est une dinguerie ce qui se passe. On a une pression qui est bien plus mise sur Sikio. Une pression qui est bien plus forte mise sur l'équipe bleue par contre, pardon. Laure qui va essayer de fake. Malheureusement, les joueurs en face sont habitués. Challenge de la part de Nico. Nico qui arrive à faire donner sa passe à son coéquipier. Regarde, ils sont tout le temps là. Magnifique explosion dans le ciel, incroyable. Et du coup, ça permet de faire un magnifique but de la part de Bapandor. Incroyable, regarde. Le tir direct. Et dans la latte. Ouais, exactement. Magnifique. C'était pas loin. Hein. C'était un but ou un contre? Non, c'était un but. Non, c'était un tir ou un contre. Ah, mec, tu m'en poses des questions. Alors là. on ne saura pas. Bah du coup, 5-1. Ouverture du score de la part des joueurs bleus dans leur magnifique tableau de score. Donc 5-1. Est-ce qu'ils vont réussir à remonter? Sérieusement, je pense pas que c'est impossible, mais on a vraiment une pression qui est extrêmement forte de la part de Sikio, et du coup ça fait que ça va être compliqué de rattraper tout ça. Bonnie qui a été contré par Thunder. Laure sur la balle. Laure qui dribble, bien évidemment, comme d'habitude, qui dribble une deuxième fois, peut-être la troisième. Logique qui est derrière, malheureusement, pour la déranger. Et non. Ah non, c'est un tir. C'était un centre au départ. La balle n'avait pas assez de puissance pour aller toucher le mur. Alors là, là c'est vraiment du stress. C'est vraiment du stress, en tout cas très impressionnant. 6-1, mesdames et messieurs. Alors là, vraiment, on est sur des games qui sont vraiment. Ça va dans tous les sens. Hein. C'est incroyable. Magnifique tir, et du coup, Bonnie qui la reprend. Arrêt de la part. De low board, du coup pression de la part de Ronnie qui continue, encore un arrêt de la part du même joueur, mais encore une pression de la part de Laure qui part en aérial, qui n'a pas réussi à être contré de la part de Laure. Deuxième, va y avoir un magnifique double tap, mais Tenner était là pour contrer cette magnifique balle. 38 secondes avant qu'on décale sur la salle 2, mesdames et messieurs. Comme ça vous aurez le magnifique concert de Akara qu'on va éviter de décaler plus déjà qu'à 15 minutes. Et 7-1, mesdames et messieurs, une défense encore. Là on est vraiment sur une pression monumentale de la part des joueurs de Sikio RL. Et surtout Laure qui a un très très bon play. Laure est très très forte et arrive à jouer avec l'ennemi, c'est très impressionnant. C'est vraiment très agréable de voir ça en tout cas. Qu'est-il passé? Oh pardon. Mais... les bâtards! Mais non, ils savent qu'ils ont perdu! Non, mais du coup. Non. Non. Bon. Écoutez, partez là. Partez en freestyle! Ah, là, partez en freestyle, mes amis, partez! Malheureusement. Là, il n'y a plus aucun doute. Malheureusement, il n'y a plus aucun doute, mais. C'est un très beau match quand même, hein. On a quand même une pression monumentale. On voit que quand ils se réveillent, l'équipe. Sikio est vraiment 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 réveillé quoi, c'est impressionnant. Ils font des autogols aussi. Est-ce que c'est un autogol ou non? Ah. OK. Est-ce que on arrivera au 10? Est-ce qu'on arrivera au 10, mesdames et messieurs? 10-0, ne vous inquiétez pas pour les gens qui viennent d'arriver, Akara arrive dans quelques instants.
Nous finissons et on décalera ce stream dans la salle 2 car il a duré un peu plus longtemps que prévu, donc vous en faites pas, Akara arrive très bientôt. Concert très impressionnant et très agréable à écouter avec de la très bonne musique. Est-ce qu'on aura peut-être un 10? Malheureusement. Le joueur bleu qui joue la balle. Qui joue la balle en effet. Bah, 9-2. 9-2, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est comme ça que ça se termine. Oui, bien sûr, on va quand même regarder le replay, mais c'est donc un deuxième point de la part des joueurs. Un joli double tap de la part. Voilà. Est-ce que. Comment on s'organise maintenant au niveau de la régie? Est-ce qu'il y a besoin. Je vais juste leur envoyer. On va changer de salle de stream. Est-ce qu'on leur dit de quitter ou pas? Je pense qu'on a le temps. Ah, ok. En 50 secondes. Si jamais. Et on leur dira de quitter si. Ok, d'accord. Eh bien. Très bien, vous êtes déjà en live sur la salle 2, bah nickel,